Excellences, Monsieur le Président de la République. Disposition préparateur pour le défilé. En avant. Après les indépendances, vers 1960, en général, la plupart des dirigeants ont demandé à garder des relations avec la France. Et on oublie que l'origine de la France-Afrique, qui a été uniquement présentée 30 ou 40 ans plus tard sous un angle négatif, commence par le fait que ces dirigeants disent au général de Gaulle « Nous, on ne veut pas avoir d'armée, on veut avoir le moins de budget militaire possible, parce que si on a des armées, ça va être un problème, ils vont faire des putsch, tout ça. Et donc, nous vous demandons d'assurer la sécurité. » La France a coopté dans ces pays la plupart du temps. Il ne fallait pas simplement que ces présidents soient francophones, bien évidemment, parce que c'était les anciennes colonies françaises, mais qu'il fallait qu'ils soient francophiles. Dans les clauses secrètes des accords de défense entre la France et l'Afrique, il y avait toujours, c'était bien précisé, que ces pays garantissaient à la France leurs ressources en échange de l'assurance vie des présidents africains, de la sécurité. Et c'était écrit noir sur blanc. Et ce qui a fait que De Gaulle met en place un système avec son bras droit Focard pour choisir des hommes et des femmes qui devaient continuer le travail de la colonisation, mais avec des hommes au visage noir. Et je vais le dire sans prudence, il nous faut débarrasser notre relation des réseaux d'un autre temps, des émissaires officieux qui n'ont d'autre mandat que celui qu'ils s'inventent. Il faut définitivement tourner la page des complaisances, des officines, des secrets et des ambiguïtés. C'est en ami que je dis cela à mes amis africains. On a l'impression que Nicolas Sarkozy, qu'il a peur de l'Afrique. C'est-à-dire l'Afrique, pour lui, c'est d'abord l'immigration, avant tout. Il ne veut pas finalement assumer cet héritage. Il est toujours en train de dire que la France a plus d'intérêt au Proche et au Moyen-Orient qu'en Afrique. Du côté africain, l'Afrique est totalement mondialisée et finalement, l'ancienne métropole, il y a une sorte de dépit amoureux, quasiment une condescendance finalement vis-à-vis de la France. Pas seulement la corruption qu'on cherche à dénoncer à travers cette plainte, parce que la corruption, on n'a pas vraiment de leçons à donner en Europe, mais c'est surtout le décalage entre la fortune accumulée par ces familles dirigeantes dans différents pays européens et aux États-Unis également, et la misère dans laquelle se trouve chacun des pays visés. Thank you.
Donc là, nous nous trouvons devant un des appartements qui appartiendrait à Antoinette Sassou-Nguesso, donc qui est l'épouse du chef d'État du Congo-Brazzaville. C'est un appartement qui comprendrait 9 pièces, donc plus de 330 mètres carrés pour un coût total de 2 500 000 euros. Donc oui, voilà, on peut s'interroger sur, sur les sources de financement de ce bien, quoi. On se trouve devant concessionnaire Ferrari parce que le fils de Teodoro Obiang, le chef d'État de Guinée équatoriale, est assez fan de voitures de luxe. D'après l'enquête de police, il aurait donc acquis en les 4 dernières années 8 véhicules pour une valeur totale de plus de 4 millions d'euros. Et ces opérations ont pu se faire grâce à un virement effectué par la Banque de France. Donc la Banque de France qui est quand même censée gérer des comptes, effectivement des diplomates, mais c'est généralement uniquement pour les besoins des ambassades étrangères en France. Et c'est pas pour permettre au fils du chef d'État de la Guinée équatoriale de s'offrir des résidences de luxe et des jets privés, quoi. En ce qui concerne les familles Bongo et Sassou, il est évident qu'ils n'ont pas, vraiment cherché à se cacher. Ce sont des familles dirigeantes qui se sentent en confiance en France, qui ont de bonnes raisons de penser qu'elles ne seront pas embêtées à aucun moment, c'est clair. Quand on regarde les documents officiels, quand on regarde quelle est la rémunération de ces chefs d'État ou des membres de leur famille, on sait bien qu'ils n'ont pas pu se constituer en France des patrimoines dont la valeur est de plusieurs dizaines de millions d'euros pour chacun d'entre eux. C'est impossible. Et comme ils n'héritaient pas non plus d'une riche famille, c'est de l'argent public qui a été détourné à des fins privées. C'est très délicat pour le parquet, parce que vous savez que les parquets sont hiérarchisés et rattachés au ministre de la Justice. Le ministre de la Justice, il représente une certaine politique, et il y a des enjeux politiques dans ces affaires-là. Si elles touchent les intérêts des États, il y a nécessairement des enjeux politiques. Donc il y a un certain nombre d'intérêts qui ne sont pas forcément ceux de la justice. Il y a une enquête de diligenté qui a parfaitement établi qu'il y avait des suspicions étayées de détournement de fonds au détriment des peuples, que le parquet de Paris a classé. Et le parquet de Paris classe, car telles sont ses instructions. Je ne comprends pas qu'on puisse avoir la preuve de détournement sous nos yeux et ne rien faire. Ça relève la complicité de la France dans ce mécanisme et les garanties qui ont été données de fait une jouissance tranquille des biens mal acquis. Tout le monde comprend. Je pense qu'on a franchi une étape. On a signifié aux corrupteurs et aux corrompus que le règne de l'impunité ne sera plus ce qu'il a été, qu'ils sont sous surveillance et qu'à tout instant, ils peuvent être rattrapés par la justice, par la société civile, comme on le dit. Moi, en tant que ministre, j'ai toujours combattu les ONG qui prétendaient, en termes idéologiques, être plus légitimes que les gouvernements. Je ne veux pas relativiser, mais quand même, il faut être honnête historiquement avec les Africains, que quand les pays d'Europe se sont beaucoup développés, ils étaient extrêmement corrompus. La France de Napoléon III, si on prend les critères d'aujourd'hui, est tout à fait corrompue, en fait. L'Amérique du 19e siècle est très corrompue. Alors c'est le moment où ces pays sont développés comme des fusées. La Chine d'aujourd'hui est très corrompue, l'Inde aussi, enfin, tout le monde le sait. Donc il ne faut pas se focaliser uniquement sur l'Afrique, comme s'il n'y avait que là, il y a de la corruption, qui soit liée à des politiques européennes, néocoloniales, qui aient survécu sous cette forme. C'est une vision complètement fermée du sujet.
quand un président français leur demande quelque chose, ils font ce qu'ils ne font pas pour d'autres. C'est bien évident, et ils préservent les intérêts français. Mais en échange, ils comptent surtout sur une protection et une discrétion. C'est ça le France-Afrique, c'est une espèce de deal secret, une espèce de complicité, parfois c'est même incestueux, en disant on vous aide, vous nous aidez, on s'entraide, mais à partir de ce moment-là où les choses sont dévoilées, on nous emmerde pour les appartements ici, on va aller ailleurs. Et pourquoi vous ne faites pas la même chose avec les princes saoudiens, le Qatar, qui ont 10 fois plus d'immeubles ici, 10 fois plus de choses? J'ai 33 appartements à Paris. Ça ne va pas. Et on dit qu'on fait des enquêtes. Mais j'ai facilité ces enquêtes. Première plainte qu'on a déposée, moi j'ai dit à mon avocat, j'ai dit, vous cherchez le médecin, bon voilà, voilà, voilà. Les finances les savent. Mais le dieu 33, ils peuvent les justifier. Mais nous, on rigole, moi, intérieurement, je rigole, et je dis, voilà encore un qui a frappé à côté. Mais tout ça, ça rime à quoi? C'est un véritable complot. Ça voulait dire que, bon, les Gabonaises, Gabonais, mettez-vous dans la rue pour dire bongo, bongo, et puis après, dites qu'il doit partir, après, il faut qu'il soit enterré. Petit effet. Grande conséquence. Nous, Africains, nous avons un certain sens de l'honneur, de l'amour propre. Chez nous, on ne s'attaque pas aux gens, dire ceci, cela. Quand on est petit, on agit comme un petit. Quand on est grand, on agit comme un grand. Et quand on est membre d'un gouvernement, de propal en porte-pièce, ça n'a pas, ce n'est pas de mise. Je crois que quand un ministre veut parler, surtout d'un autre pays, il faut qu'il tourne 7 fois sa langue. Peut-être la 7e fois, il s'apercevra que ce qu'il allait dire, c'est énorme. Mais il soulevait toute l'Afrique pour dire, va enterrer l'acte de ceci, de cela. Ce n'est pas bongo. En fait, Omar Bongo a disjoncté quand il a vu un reportage sur ses biens à Paris. Il dit « Comment ? Moi, j'ai de la France. » Et c'est vrai, service rendu, moi, je fais libérer des journalistes français au Niger. Si Carla Bruni-Sarkozy avait rencontré Nelson Mandela, c'est moi qui obtiens le rendez-vous parce que Nelson Mandela, il ne voyait plus personne. Et on m'emmerde pour mes histoires d'appartement ici. Donc, c'est ça qu'il a un peu fait disjoncter. Et, il dit « il voulait obtenir absolument la tête de Bokel. » Il y a le gouvernement gabonais qui m'appelle carrément, qui m'appelle en me disant que M. Bongo est en train d'attendre que je puisse retirer ma plainte et que de l'autre côté, qu'on puisse me financer. C'est clair et net, hein. Ils disent M. Tungamani, retirez votre plainte et nous nous arrangeons. Alors là, c'est la cuisine, c'est le lieu vraiment où a démarré l'incendie. Là, donc, on monte au premier, où je dormais.
On voit effectivement les traces de l'incendie qui, elle, avait couvé en bas, c'est-à-dire dans la cuisine. Parce que la porte de la chambre aurait été ouverte que j'y passais. Je me dis que je suis en France, que je suis protégé, donc ce genre de choses n'arrive que dans les républiques bananières. Donc, de prime abord, vous ne pensez pas ça. Vous pensez à un accident, parce que ça peut arriver à tout le monde. Et par la suite, quand vous réfléchissez, quand on met tous les problèmes bout à bout, ça commence à poser problème. Bruno s'est dit que, étant donné que nous avions besoin de contribuables congolais pour renforcer la plainte et qu'on avait beaucoup de mal à en trouver, ben Bruno s'est dit qu'il allait donc se lancer, aider sur Brazzaville. Moi, j'admets que j'essaie d'être courageux ici, mais il faut tirer le chapeau quand même à Bruno Sebi. Bruno était quand même sur place. Il a bravé les autorités. Ce qui s'est passé, moi, ça ne m'étonne pas. Moi, j'affirme, je peux affirmer effectivement que Bruno a été assassiné, tout simplement. Si on ne comprend pas les problèmes d'approvisionnement énergétique de la France en Afrique et l'importance de l'Afrique pour la France, on ne comprend absolument pas les biens mal acquis. On a considéré que le pétrole allait être autosuffisant en France grâce à l'Algérie et on voit ceci disparaître avec l'indépendance de l'Algérie programmée puis accordée. Et on sait qu'en 1973, il n'y a plus de pétrole algérien qui va alimenter la France. Et donc on va trouver du pétrole au Gabon, puis ensuite au Congo-Brazzaville. Ces États vont permettre à la France de suppléer aux problèmes algériens et par conséquent, on a envie d'avoir une certaine stabilité dans ces États dont on a une illustration avec la longévité du président Bongo au Gabon. Les hommes étaient cooptés, autant les hommes, autant les Africains, les dirigeants africains étaient cooptés, mais les ambassadeurs de France en Afrique étaient cooptés depuis Paris par M. Focard, et il dit la cooptation des Français était aussi importante. Les types étaient implantés là-bas, garantissaient le régime, surveillaient les régimes africains, garantissaient au régime. C'était vraiment tenir les pays et en même temps, je veux dire, coopter les hommes. C'était vraiment ça qui était le plus important, en marge même des réseaux d'État. Le modèle constant du pétrole, c'est le modèle États-Unis-Arabie Saoudite. C'est pourquoi est-ce que les États-Unis, à partir de Franklin Roosevelt en 1944 jusqu'à aujourd'hui, veulent la stabilité de l'Arabie Saoudite? C'est parce que l'Arabie Saoudite concerne de l'ordre de 12% du pétrole mondial. Si jamais on a des régimes dictatoriaux qui se succèdent
avec des révolutions de palais, on peut avoir des changements incessants. Et donc, c'est quelque chose qui est préjudiciable à l'activité économique et encore plus à l'activité pétrolière. L'activité pétrolière, c'est un plus par rapport à une activité économique normale, puisque les délais sont extrêmement importants. Ça paraît d'un cynisme et un peu effroyable. C'est pas du cynisme, c'est la réalité. Si vous considérez la réalité cynique, c'est votre, ça vous regarde. Ici, le quartier s'appelle Wharf. C'est en bord de mer de Pointe-Noire. Et c'est un peu la zone résidentielle de la ville. C'est le beau quartier. C'est le quartier où sont logés à peu près tous les riches de Pointe-Noire, et en particulier, et du Congo en général. Donc, les maisons ici, c'est la famille présidentielle, les membres du gouvernement, les conseillers, des chefs d'entreprise locaux et étrangers. C'est le pétrole qui rapporte les principales ressources du pays, qui contribue à hauteur de environ 85% au budget national. Donc, la richesse du Congo est issue forcément de l'exploitation pétrolière, et vous en avez les preuves. Hein? Et donc, c'est une élite qui tire profit de cette richesse pendant que la grande majorité est maintenue dans la misère. Aujourd'hui est catastrophique parce que la misère a pris des degrés inestimables. C'est difficile aujourd'hui pour une famille congolaise d'avoir 3 repas par jour. Alors que nous sommes dans une ville pétrolière, alors que nous sommes assis sur des richesses, on ne voit aucun impact sur la population. Avec la maman aussi, avec les enfants. Donc, la maman elle dort là, ça c'est un petit salon. Ouais. La maman elle dort là. Et une fillette, elle dort là avec son mari et le plus petit. Donc, 4 personnes. Donc 5 personnes. Voilà. Le pétrole amène beaucoup de maladies. Là, il y a les moustiques qui s'accroissent, donc il y a le palud plus. Il y a aussi la maladie respiratoire avec les gaz utilisés. Et il y a la chaleur, donc maladie de peau. Donc là, on est confondu. Il y a donc beaucoup de maladies, on est exposé à nous-mêmes. On se dit, bon, comme on est africain, on est noir partout. Donc rien ne peut marcher puisqu'on vit dans la noire, dans le noir plutôt. Donc même si on parlait, ben, on cherche à être dans la lumière, mais on éteint les lampes. Pas moyen de bien ouvrir les yeux. Parce que celui qui est là, celui qui a les groupes électrogènes, il ne veut pas allumer ce moteur pour que les gens voient. Voilà, c'est ça, notre problème. Je travaille, ça me fait déjà 7 ans que je suis ici. Je travaille dans ce site pétrolier. Mais depuis que ce site-là existe,
on ne trouve pas telle que l'évolution de ce site au niveau de la population. Ce site a pour objectif, c'est de détruire un peu la population. L'environnement, tout est pollué ici. Vous allez constater qu'un jeune qui est du village, il est gardé dans une plateforme qui te produit des milliers et des milliers d'argent par jour. Il est payé par combien par jour? C'est déplorable. Il n'a que parfois 1500 par jour qu'on le pointe. Il ne boit pas de l'eau. C'est des gens qui quittent, c'est pas où qui boit de l'eau. Mayo, lui, il prend de l'eau polluée qu'on lui donne à boire. C'est tuer quelqu'un à petit feu. Oui, ça nous révolte, mais il y a l'intimidation qui est là. Tu ne peux pas révolter. Quand tu as une situation où la population a tendance de revendiquer leurs droits, c'est quelques heures plus tard, c'est l'armée qui arrive à bastonner les gens, Fin de fin, vous comprenez qu'est-ce qui se passe. Il n'y a rien, non, c'est le pétrole d'un tel, on ne peut pas toucher ce pétrole. Et voilà, la population directement effrayée, il se reste tranquille. Nous sommes diminués en totalité. L'eau des rivières que nous avions l'habitude de prendre, en tout cas, est presque polluée par l'effet du pétrole. Avec le pétrole, le bruit qu'on est en train de brûler là, lorsque la flamme s'envole dans l'air et les retombées reviennent par les pluies. Une fois qu'il y a une forte pluie, vous allez constater qu'il y a une couche noirâtre au niveau de la surface d'eau. Dès que vous prenez, ça représente une sorte d'huile ou de graisse. Les compagnies disent quoi? Nous, notre activité principale, c'est l'exploitation industrielle. Le reste, on peut le faire parce que nous avons une politique de développement durable, mais c'est d'abord votre gouvernement qui devrait être le premier acteur et nous, on ne viendrait qu'en appui. Le gouvernement livre ses populations pour ses intérêts pétroliers. Le pétrole est le malheur des Congolais. Et tout ce qui se passe au Congo, c'est la lutte autour des intérêts pétroliers. Les Congolais n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité. Ils n'ont pas de route, ils n'ont pas d'école, ils n'ont absolument rien du tout. À quoi sert l'argent du pétrole? C'est la question qui intéresse les Congolais. Petit! Où il est, Zaté Abimi? Il est là? Ah bon, c'est bien. Bien gaillé. Mais il n'y a pas d'eau. Ça fait un mois, il n'y a pas d'eau. Les gens sont obligés de chercher le bidon pour prendre l'eau. Comme mon beau-frère là a une bâche. Et les parents viennent chercher l'eau chez lui. Et là, pourtant, c'est un quartier résidentiel. Là. Mais oui. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Si on pouvait redistribuer les recettes pétrolières, forestières et minières, je pense qu'aucun Congolais ne pouvait se plaindre parce que chacun aurait un salaire décent, le pays serait développé et il n'y aurait pas autant de démunis, de déshérités qu'aujourd'hui. Mais malheureusement, la minorité qui se répartit toutes ses richesses est égoïste. Et c'est devenu un problème de clan. Pas d'accusation, c'est certainement pas des accusations. Puisque de toutes les façons, dans la mise en place de toutes les équipes dirigeantes, chez nous notamment, dans la conviction du président, ces équipes-là quadrillent l'ensemble du territoire. Vous trouverez les dirigeants dans toutes les parties du territoire et de toutes les équipes. On cherchera toujours dans tel ou tel département un cadre, mais compétent, pour qu'il assume véritablement ses responsabilités. Parce que ce que les populations attendent de nous, ce sont les résultats.
C'est ce qu'ils veulent, c'est l'amélioration du bien-être, de leur bien-être. Voilà, vous avez le barrage par là. Bonjour, Léon. On a eu un contretemps. On a prévu là-bas. Il y a beaucoup de poussière, hein? Oui, comme on a parlé. Bonjour, Agassi. Bonjour, how are you? I'm fine, you? OK. Bon, on va aller au site du barrage. Il y a un groupe qui est en fonctionnement à l'heure actuelle. Ça, c'est la toute dernière. Ça, c'est la toute dernière turbine qui est en montage. Nous avons monté les quatre turbo-alternateurs. Et ça, c'est le tout dernier. Plus rien ici, dans un mois, vous venez, on ne va plus rien voir. Tous les équipements, turbines, alternateurs, ont été fabriqués par la société Arbin. En Chine. En Chine. Le coût du chantier, c'est 280 millions de dollars. Nous l'avons financé par un prêt chinois. Un financement chinois sur le long terme, à 85% du coût du chantier, des travaux évidemment, et 15% évidemment financé sous fonds propres du budget de l'État du Congo. Ce sont des Chinois, vous ne pourriez pas faire ces bons travaux aujourd'hui. Ce sont des prêts, ce ne sont pas des dons. Non seulement un prêt, systématiquement, mais... Pourquoi les prêts d'argent, peut-être sur d'autres activités ou sur d'autres chantiers éventuellement. Ah, bon, nous sommes toujours demandeurs. Hein? Et est-ce que les politiques sont encore les mêmes? Il faut dire que les pays développés aussi ont leurs problèmes. Parfois, nous nous retrouvons tous en Chine. Parfois. Devant vous, monsieur le ministre, le groupe est en train de tourner. En fonctionnement. En fonctionnement actuellement. On marche à vite, mais pas couplé sur Brazzaville. Je veux que la presse regarde comment les bagues tournent. Et on peut regarder sur l'ordinateur, ça tourne à 100% à merveille. Donc ça, c'est le régulateur de vitesse. Donc c'est le dernier cri des technologies. Des régulateurs des technologies. Vous êtes fier de ce courage? Ah oui, vous voyez vous-même. Il fallait être ici il y a 5 ans, 6 ans. C'était la forêt. Il n'y avait rien, c'était la forêt et les insectes. Les premières personnes qui étaient arrivées ici... Ça a été très dur pour assainir la zone afin de ne plus que poser la pierre. Donc on est tout à fait ravis de cet ouvrage. I give you the deadline. Okay. 15th of July. 15. It's for me the deadline. Oh. Okay. Hein? Monsieur le ministre. Deadline. After that, everything is working and I think we're ready to give electricity to Brazzaville. You have maybe 3 weeks. 3 weeks or 4 weeks. Absolutely, three weeks. Maybe 1 month, but 3 weeks. To finish off that. Yes. Okay, merci, Mr. Okay. Ben, il n'y a pas de rapport. Tout se fait de la manière la plus transparente. Vous savez que à chaque fois que nous, à chaque étape que nous avons fait, tous les éléments que nous disposons sur la construction de ces ouvrages ont été mis à la disposition du Fonds monétaire et de la Banque mondiale. Comment ça se fait qu'aucun ministre ait publié l'état de sa fortune au Congo alors que la loi constitutionnelle l'oblige pourtant? Je ne sais pas si quelqu'un est publié ou n'est pas publié. Je pense que quand c'est demandé, tout le monde sait. Est-ce que les gens sont fortunés ici? Je me pose la question. S'ils étaient véritablement fortunés, le pays aurait profité au maximum. C'est souvent beaucoup de spéculation autour. Et il n'y a pas des hommes politiques aussi fortunés tels que les gens le disent. Il y a des cadres qui travaillent pour leur pays, qui mettent tout en œuvre pour progresser. C'est toujours l'autre image de l'Afrique que vous essayez d'avoir là-bas. Mais cette image, il faut peut-être aller la chercher ailleurs. L'affaire de Biamalaki, pour vous, c'est...
Tout cela est aléatoire. Et c'est surtout, souvent, le plus important, c'est de savoir ce que ce pays était. Quand le président arrive aux affaires, après les conflits difficiles que le pays a eus, le pays a fait un véritable bond en avant. Il y a eu beaucoup de fractures dans la société. Nous allons certainement travailler quelque temps pour ramener un peu plus d'harmonie dans tout cela. Et puis ensuite aller aux élections. Depuis 97-98, on a quand même réussi à faire deux élections présidentielles avec des institutions stables, même si ces scrutins, sur le plan technique, sur le plan de l'organisation, n'ont pas été parfaits à 100%. Mais une chose est sûre, c'est que il y a dans nos pays, il y a des problèmes et il y a des dirigeants qui ne sont pas, par déterminisme géographique, différents des dirigeants français, britanniques, américains, qui seraient voués uniquement à aimer le génocide, à aimer la pauvreté de leur population, de leurs compatriotes, à aimer voler l'argent de l'État. Ce n'est pas vrai. Et donc ce que ces ONG, un certain nombre de dirigeants, d'acteurs politiques, publics, occidentaux et certains médias font, c'est de la démagogie. J'ai gardé cet engin. Et puisque cette zone était bombardée, j'ai gardé ce vase qui était dans la terrasse ici, avec les impacts et les éclats d'obus de la guerre civile. Je le garderai longtemps. Voilà. Ça fait bientôt 13 ans que je travaille ici. Cela me suffit. C'est suffisant. Une table de travail et puis quelques armoires de rangement. J'ai un salon pour les audiences. Je pense que c'est suffisant. Pourquoi vous ne travaillez pas au palais présidentiel? Pourquoi vous êtes chez vous? Bon, le palais a été touché par les événements que nous avons connus en 97, fortement endommagé. Et depuis 1997, je travaille ici. Expliquez-nous un peu où on est là. C'est... Comment? C'est chez moi. C'est ma maison. Bon, je travaille à côté, oui. Puis ici, c'est ma maison. C'est votre maison depuis quand? Depuis combien de temps? Depuis 70. 1970. Vous avez toujours vécu ici? Bah, toujours, oui. Quand j'étais ministre, cadre, comme président, je suis allé vivre au plateau là-bas. Puis après, c'est revenu ici. C'est chez moi ici. Ces arbres, je les ai plantés au début des années 80.
les enfants-là étaient des petits bouts comme ça. Ils sautaient au-dessus de ces arbres, ils ont grandi en même temps que mes enfants. C'est chez vous, c'est là où tu vis. Je vis ici, oui. Voilà, c'est un salon, voilà. Il y a quoi ici? Salon. Voilà, je pense que c'est pas très compliqué. Et il y a une salle à manger. Et puis, un petit salon de télévision. Et comment vous expliquez qu'on ait cette image des chefs d'État africains qui ont une opulence incroyable? Non. C'est vous, la presse, qui fabriquez cela. Il y en a certainement des chefs d'État qui vivent peut-être mieux que ça, mais c'est les chefs d'État du monde entier. Non, moi, j'ai beaucoup voyagé. Hein. Ils sont étonnés par... Étonnés, je ne sais pas. C'est pas laid. Hein. C'est propre. Hein. C'est une maison familiale. Je l'ai conçue pour... vivant avec ma famille. Je pense que c'est propre. Et nous vivons ici et c'est suffisant. Je ne sais pas s'ils sont étonnés, mais ils ne l'ont jamais dit. Ils ne l'ont jamais dit. Voilà. Vos détracteurs, des associations, l'opposition ici vous accusent d'être à la tête d'un clan qui pille le pays pour sa richesse personnelle. Il y a l'affaire des biens mal acquis qui a fait beaucoup de bruit en France et qui continue d'ailleurs aussi. Oui. Bon, mais il y a les faits. Il y a ce que les détracteurs racontent et les faits, bien mal acquis. Bon. C'est à la limite honteux en ce qui me concerne. Parce que si en France, on avait voulu engager un débat sur les biens que pourraient posséder les autorités étrangères en France, moi, j'allais m'inscrire dans ce débat. Mais aller chercher 2-3 présidents en Afrique, on est allé les cueillir comme ça, je ne sais pas comment, selon quelle logique, non? On en pique 2-3 et puis on organise une cabale autour d'eux. Moi, je trouve cela très honteux. On ne sait pas comment qualifier ce comportement. Est-ce que c'est du paternalisme? Il m'est arrivé de parler du racisme parfois. Est-ce que c'est toujours des relents de néocolonialisme? Je ne sais pas très bien. Je parle en ce qui me concerne. Il m'est arrivé de voir... hein, vos confrères avec les caméras comme ça arrivés à l'avenue Rapp. Et quand ils viennent dans l'avenue, ils filment l'immeuble et puis s'en vont. Et ils font croire au monde entier que cet immeuble-là, c'est l'hôtel particulier du président. Alors que je peux les inviter à visiter l'appartement que nous avons acquis là pour faire vivre nos enfants. Un petit appartement et il n'y a que 2 chambres. Quant à l'autre propriété du Vésiné, au bord d'un RER, hein, votre train qui passe, et je crois que toutes les 30 minutes, il y a un vacarme de train qui passe à côté. Faire une montagne autour de cela, et c'est seulement honteux. Je trouve cela honteux et triste. Bruno Sebi, oui. Le journaliste qui a trouvé la mort dans un incendie, oui. Dans un quartier ici, il y a des problèmes d'électricité, de court-circuit, mais au même moment, un député de la majorité, dans le même quartier, court-circuit, incendie. Et ce député a trouvé la mort, un banquier, ainsi que son fils.
Et là, il n'y avait pas eu de crimes organisés par le pouvoir. Est-ce que vous trouvez que c'est sérieux? Donc pour vous, c'est des fantasmes. Il y a une espèce de fantasme sur... Mais volonté de nuire. C'est pas fantasme comme ça. Volonté de nuire. Tous ces groupuscules sont en liaison avec quelques gauchistes, quelques opposants, quelques ONG, et avec des missions obscures. C'est notre interprétation. La rumeur qui est colportée, c'est que Transparency International agit au nom d'intérêts d'États étrangers, notamment des États-Unis, ou de grandes sociétés internationales américaines ou anglo-saxonnes, ce qui, évidemment, est absolument ridicule, puisque dans le cadre de notre ONG en France, nous ne touchons pas un euro, ni d'argent public, ni d'argent venant d'une société, d'une multinationale étrangère. On a... Voilà. Donc notre liberté d'action est absolument totale. Republic of Congo-Brazzaville has enormous natural resources, and 70% of the population lives in extreme poverty. And I think part of the explanation there, unfortunately, is corruption by the government. The Africans were very concerned about it. But when I started to actually take some actions to hold up loans where there was a suspicion of corruption, I was surprised at how much resistance I got. A number of the European countries, including France, would, on the one hand, say they're very concerned about the issue. They would always start by saying they're very concerned about the issue, and then they'd say, but, and the but would be much longer than the statement of concern. And one of the buts was, well, you have to treat all countries equally and fairly. Well, there are necessarily some judgments. It's a mistake to think of these former colonies as still somehow colonies and still somehow the responsibility of the French government to represent them or to pursue their interests. It's not a good idea. Some people say, well, look, his hotel expenses, it's just a few thousand dollars. Maybe it's indecent. It certainly is indecent. But the point is, it's the tip of an iceberg, and the iceberg is the millions that are going in places that no one knows that they shouldn't be. And when 70% of the population is trying to get by on less than a dollar a day, it, just think of what $3,000 a day for a hotel room means. It is shocking. Lorsqu'il y a un sommet des Nations Unies à New York, tous les présidents descendent au Waldorf Astoria, le nôtre ne va pas aller à Harlem. Voilà, donc c'est une maladresse. Et cette maladresse est révélatrice, si vous voulez, de l'insuffisance à la fois culturelle et je dirais même humaine de ce qu'est la réalité de l'Afrique aujourd'hui, de ce qu'est aujourd'hui l'Africain dirigeant de son pays au XXIe siècle. C'est une insuffisance. Pourquoi ce siècle ne serait-il pas celui de l'Afrique? Je pense que
des dirigeants africains, c'est le débat que nous avons, prennent sérieusement conscience de la nécessité de corriger certaines situations qu'on avait mal appréciées depuis 1960. Des mauvais choix économiques, de mauvaises décisions, peut-être aussi des faiblesses de gouvernance, de gestion de la chose publique. Il y a une prise de conscience réelle, hein, et des choix, à mon avis, qui sont justes. Et je pense que l'Afrique, au cours de ce siècle, va apporter quelque chose de différent au monde. Ça, c'est ma conviction.